Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer ce que j'utilise comme sac pour mettre mon matériel. Alors c'est un Lopro Mini Tricker AW, ce qui veut dire All Weather. Donc du coup, ça va vous permettre, voilà, il est waterproof, d'accord? Je vais vous montrer ça après. Alors, il est quand même bien pratique et bien spacieux. Parce que si vous avez une poche, d'accord. Alors, je vais ranger un peu des petites choses qui, voilà, ce que vous voulez mettre dedans. La petite particularité qu'il y a, c'est qu'elle se dédouble un peu. Elle va s'agrandir hein, comme ça. Donc, vous avez deux scratchs, d'accord. Donc, ce qui va permettre quand même de garder la poche, hein, mais qui va s'agrandir ici pour pouvoir accueillir un pied, d'accord, peut-être pas celui-là, si celui-là c'est bon, voilà, d'accord, qui va se mettre vraiment et qui vient nickel, hein. Voilà, qui vient vraiment en devant de votre sac, d'accord, c'est plutôt solide, hein. Y a pas de souci là-dessus. Ensuite, alors là, l'autre petite poche qui est sympa, alors, ça s'ouvre super facilement. Donc là, c'est encore du rangement, d'accord. Il y a même un petit clips, d'accord. La taille, la place pour mettre des crayons, d'accord. Spacieux quand même, hein. Il est super confortable, franchement. C'est de la mousse super géniale ici, jusque dans le dos, c'est nickel. Une fois que c'est passé sur le dos, vous avez une petite attache ici qui va éviter qu'il se barre, donc c'est nickel. Vous avez aussi les attaches pour venir sur les hanches, donc ça c'est plutôt cool. Alors, l'intérieur, donc il se trouve sur toute la longueur et boum, alors c'est plutôt sympa, d'accord. Alors, ici, tout est plastifié avec des protections pour les zippers. Tac. Donc c'est cool. Ouais, c'est bien solide. Je l'ai depuis pratiquement un an et demi. Il y a de quoi mettre. Alors, je vais vous montrer ce que je mets dedans. D'accord? Donc je vais peut-être bouger la caméra un peu plus près, donc vous allez voir ce qu'il y a sur la table et comment je range ça pour vous donner une idée de ce qu'on peut mettre. Je mets un 70, 70-200, d'accord, dedans. Voilà. Ensuite, j'ai mon 18-105, d'accord, ça va, comme ça, d'accord. Je mets mon 50 mm en 1,8 aussi, d'accord? Ça va. Non, ça a pas d'importance ici, hein, mais bon. Et là, c'est un multiplicateur, c'est un x2. Ensuite, je mets le flash SB700, d'accord? Je le mets ici, le boîtier. Tac, qui va là. Des petits filtres UV, ils vont là. Les accessoires à avoir, si vous venez d'avoir un appareil photo, d'accord, c'est ces deux choses-là, d'accord. C'est super important pour nettoyer vos objectifs. Ils font des chiffons comme des lunettes pour effacer, pour nettoyer tout ça. Franchement, cet ustensile, d'accord, il faut l'avoir, d'accord. C'est primordial. Hein, ça va permettre de nettoyer vos lentilles comme ceci, d'accord. On retire toutes les poussières, blablabla. La petite broche qui vient d'un côté. D'autre côté, vous avez un tout petit nettoyeur, et hop, comme ça. Je sais plus c'est quoi qu'il y a dedans. On m'avait dit. Enfin, si quelqu'un sait, vous avez qu'à marquer dans les commentaires. Et donc, du coup, vous passez comme ça dessus. Ça marche nickel, hein, c'est super génial. Et ça, bah, bien sûr, c'est pour retirer
les petites crasses dessus. D'accord? C'est franchement, c'est une fois que j'ai acheté ce monde boîtier, c'est les deux ustensiles que j'ai achetés pratiquement dans le même mois. D'accord? Ça doit coûter 20 euros, ça c'est pareil. Voilà. D'accord? Donc du coup, ça va là. Un petit diffuseur qui va sur l'appareil photo pour le flash intégré. Voilà. Des piles pour le flash. J'ai seulement 8 piles. D'accord? J'ai deux jeux de 4. C'est ma courroie. D'accord? Donc c'est avec ça que je tiens mon appareil photo en général. Alors si vous ne trouvez pas, alors le modèle de cette courroie, c'est Black Rapid. C'est la RS5. Alors voilà. Voilà à quoi ça sert cette sangle. D'accord? Alors, ça vient là. Ça, c'est en option. D'accord? C'était pas vendu avec. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la même marque, hein, c'est en option, cette petite machine-là. Sinon, donc voilà, c'est accroché sur le plat de vis en dessous. C'est solide, hein, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne avec ces deux petites machines-là. D'accord? Ça glisse. Donc moi, je vais bloquer par exemple ça ici. Donc ça n'ira pas plus loin que derrière. D'accord? Et si je veux pas que ça avance, je mets l'autre, ça reste coincé, c'est nickel. Surtout si vous avez ça, c'est encore mieux. Il existe d'autres marques, hein, c'est pas juste celle-là, il y a d'autres marques qui sont peut-être moins chères, parce que ça celle-là, je crois qu'elle coûte 75 euros à peu près. On remonte ici, et là, on peut faire de la photo, c'est nickel. C'est fluide, hein, d'accord? C'est quand même, ça se retire facilement, ou vous avez une bague, sur la bague on peut comme un peu visser et là ça se retire plus. D'accord? Sinon ça se retire assez facilement. Là, vous pouvez avoir une bonne prise en main. Mais voilà, ça peut rester discuté. C'est différent de l'avoir ici avec le gros truc Nikon et tout ça. Je trouve que c'est quand même pratique. On peut foutre un téléphone, c'est assez grand pour des smartphones. Voilà. C'est aimanté, c'est super cool. Voilà. Donc là, j'ai de la place pour mettre. Des fois, je fous mon crayon, vous savez, le crayon pour nettoyer les lentilles. Ça passe dedans. Et en plus, vous avez de la place éventuellement pour mettre 3, 4, 5, 6 SD cartes ici. D'accord? C'est fermé. Alors ça m'arrive des fois de mettre des cartes visite à la place du téléphone, parce que quand je vais faire des photos par moment, j'ai pas forcément besoin de téléphone. Donc ça généralement, je mets ça là. Prenez des cartes de visite, on sait jamais. Même si moi je suis amateur, mais il suffit qu'on me dise tiens, vous n'avez pas une carte, hop, ça coûte rien. Il y a l'adresse email derrière, nickel Chrome, hop, et là, je mets ça là. La fameuse option que j'aime bien qui est dessus, c'est s'il pleut, c'est derrière, à la base du sac, c'est marqué ici, d'accord, all weather cover, d'accord, et bien sûr, aller machiner dedans, ça fait super cool à faire. Ça sort, ça va se mettre directement dessus, hop, c'est super simple. Plus qu'à serrer, voilà. Ça tient bien. Hein. Ça va pas partir une fois que c'est bien serré. C'est nickel. Passe-partout, on voit pas, on sait pas ce que c'est. Le seul bémol, c'est qu'on peut plus mettre le pied dessus. On peut plus le mettre. Mais bon. Au pire, là, si vous achetez un petit pied comme ça, vous avez la sangle là, une petite toute propre. Voilà, nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Allez, à plus!